Bonsoir. Nous vous remercions de votre présence à ce troisième rendez-vous de la nouvelle édition de la Semaine du cerveau. Cet événement international est coordonné en France par la Société des neurosciences. Le thème cette année est le cerveau connecté. Le programme des conférences accueillies à l'Alcazar toute cette semaine a été élaboré par l'association cerveau.com et je vais laisser Myriam Kerr présenter plus longuement la rencontre. Merci beaucoup. Donc, euh, bah, merci à vous tous euh, d'être présents pour euh, cette nouvelle conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Euh, donc, le, le programme, euh, si vous ne l'avez pas encore eu, il y a des flyers euh, à la sortie de, de l'amphithéâtre. Parce qu'à Marseille, on est généreux et la Semaine du Cerveau ne s'arrête pas euh, à la fin de la semaine elle va continuer euh, toute la semaine prochaine. Si vous avez la chance d'être véhiculé, euh, il y a des conférences notamment dans les villes alentours, à Gemnos, à Martigues, à Berlétan, et euh, ça, la, la semaine du cerveau se clôturera à Aix par un spectacle clownesque. Au théâtre du Cube. Voilà. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le programme ici au micro, mais sachez que vous pouvez le consulter également en allant sur notre site internet cerveau.com. Et là, il sera détaillé vous aurez des petits résumés de chaque conférence. Voilà. Oui, alors euh, ça, vous le verrez en ligne. Oui, on avait un, un bistrot science qui était initialement prévu lundi dernier au Danaïde euh, sur cerveau et magie. Donc ça, ça promet d'être assez ludique et assez euh, sympathique. Euh, et en plus, l'ambiance des bistrosciences est toujours sympathique. Euh, malheureusement, le, le bistrot des Danaïdes est en travaux et n'a pas pu réouvrir à la date prévue. Et on a donc dû euh, reporter ce bistro-sciences à lundi prochain, donc le 20. Euh, et ce sera au, à l'Artplex en haut de la Canebière. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, euh, ce qui est imprimé sur le flyer papier est donc faux, puisqu'on a imprimé le programme euh, sans savoir que les Danaïdes ne se pourraient pas rouvrir à temps. Voilà. Euh, je voudrais surtout profiter euh, de ce micro pour euh, remercier euh, tout, euh, tous nos financeurs qui, permettent, euh, qui nous permettent à euh, cerveau.com, donc notre association, d'organiser tous les ans la Semaine du cerveau. Donc il s'agit de la région, la région sud, du département des Bouches-du-Rhône, de la ville de Marseille, mais aussi de tous les laboratoires de neurosciences de Marseille, euh, affiliés à l'Inserm et au CNRS. Euh, et je veux également remercier ceux qui nous soutiennent non pas financièrement, mais en mettant à notre disposition des salles comme celle-ci, qui est magnifique, qui nous permet de vous accueillir dans des bonnes conditions pour ces conférences. Donc un grand merci à la bibliothèque de l'Alcazar. Avec qui on a ce partenariat depuis maintenant 20 ans euh, et toutes les autres villes qui nous accueillent. Euh, je suis extrêmement heureuse ce soir d'accueillir euh, Hugues Dufault, que je vais vous présenter rapidement. Donc, euh, monsieur Dufault a une double casquette. Non seulement euh, c'est un éminent neurochirurgien, mais c'est également un chercheur en neurosciences. Donc, M. Dufault a commencé sa, sa carrière de neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, le célèbre hôpital parisien, où il a développé euh, des approches de neurochirurgie euh, sur, sa, sur patients euh, éveillés pour faire euh, pour des traitements de gliomes, de tumeurs euh, cérébrales. Euh, et pour ces pour ses approches, pour cette approche novatrice, il a notamment euh, reçu euh, un prix euh, extrêmement prestigieux qui est l'équivalent du prix Nobel de neurochirurgie qui est euh, attribué à, à Stockholm. Euh, et c'est un des plus jeunes, je crois, lauréats de, de, de ce prix. À l'époque euh, À l'époque <laughs> 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 Euh, du côté euh, recherche euh, il dirige une équipe plasticité du système nerveux central cellules souches humaines et tumeurs gliales à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier et il est l'auteur de cinq ouvrages et près de 500 publications internationales. Donc, vous voyez qu'il est extrêmement actif euh, également dans le domaine de, de la recherche. C'est pourquoi je vous disais que personnellement, je suis vraiment très, très honorée, très heureuse qu'il ait accepté notre invitation à venir parler euh, de ses recherches et de ses découvertes et de ses pratiques avec nous ce soir. J'espère que vous pourrez également en profiter et lui poser toutes les questions que vous voulez. Et à propos de questions, euh, il y a des personnes qui suivent la conférence en ligne et donc je tiens à leur préciser qu'ils pourront également participer euh, au débat euh, et à la séance de questions qui suivra la présentation en cliquant sur le petit lien qui est juste en dessous. Euh, de la description de la conférence euh, et donc il leur suffit de cliquer sur ce lien pour pouvoir poser les questions et euh, notre modérateur pourra les restituer donc euh, à Monsieur dufaux à la fin voilà je crois que j'ai tout dit et maintenant je, je laisse la parole à Monsieur dufaux. un grand merci pour cette invitation qui me fait très plaisir puisque nous nous rencontrons avec quelques collègues longtemps plus tard également et on voit que le cerveau reste connecté, les cerveaux restent connectés. Ce qui est finalement un peu le message qui vient d'être délivré, à savoir que j'ai la chance de pouvoir, depuis un peu plus de 20-25 ans, faire plusieurs choses en simultané. Et on pourrait croire que c'est plus difficile. Et à mon avis, pour répondre à votre question, c'est un peu plus simple, puisque le cerveau a tendance à s'auto-potentialiser à partir du moment où vous lui proposez des éclairages différents pour essayer de résoudre des problèmes qui sont bien souvent communs que ce soit en médecine ou en neurosciences. Et c'est bien pour ça que je suis heureux ce soir de vous montrer une nouvelle fois qu'on on ne cesse de progresser à partir du moment où il faut surtout enlever les œillères et ça me semble être un paradigme finalement déclinable à toutes les pathologies en médecine mais aussi au-delà de la médecine, de la clinique, voire même de la recherche en mode de vie global où le cerveau a tendance à être paresseux et à se contenter de faire ce qu'il a l'habitude de faire de façon automatisée même si c'est de très haut vol parce que vous vous avez fait beaucoup d'études, vous avez un travail qui est très prenant, et il vous propose tous les jours finalement dans cet état d'esprit. Dans cette situation, euh, voilà ce que je vous recommande de faire parce que statistiquement, c'est la solution euh, qui semble la plus adaptée. Et euh, toute ma vie aura été finalement de dire, du moins jusqu'à présent, un grand merci à mon cerveau, mais non, je vais essayer de trouver une solution différente euh, parce que ça ne me semble euh, pas adapté, trop simple ou au contraire, euh, on a déjà essayé plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Et à partir de là, c'est finalement accepter une certaine forme d'antagonisme personnel, et ça, c'est bien la notion de connexion, parce qu'il y a aussi euh, de la positivité, mais de la négativité, il faut trouver les équilibres, et c'est un peu finalement se remettre en question, donc remettre en question ce qu'on vous a enseigné. Et j'ai le regret de dire que la médecine est quand même très académique d'un côté, ce qui est une bonne chose, et très dogmatique de l'autre, et adore finalement le poil de l'histoire avec un grand H. Et la chose qui finalement semble la plus évidente de nos jours en neurosciences, mais elle est loin de l'être pour plus de 90% des collègues au sens large médecins que je connais, et pas simplement à Montpellier ou en France ou en Europe, mais dans le monde entier, ont continué à penser que le cerveau est fait d'une petite mosaïque où euh, vous avez une dizaine de couleurs et chaque couleur correspond à une fonction et si ça se combine, finalement on arrive à peu près à créer le comportement au sens large animal et humain en particulier. Il est évident que ce n'est pas du tout ça. Et il est évident que si on rend hommage à ces heures, beaucoup l'avaient déjà dit bien avant nous, et que l'histoire, pour une raison obscure, a toujours choisi, toujours à chaque carrefour, ceux qui allaient vers la simplification, parce que comme ça, on avait une chance de comprendre, et du coup, pendant des décennies, on a dit des bêtises. Et si on en revient ensuite à ce qui avait été dit il y a une centaine d'années, par exemple contre la fameuse région de Broca qui est censée servir à la parole alors que, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en train d'opérer un patient et dans cette localisation, je trouve qu'il n'y avait pas de tumeur et que je l'ai quand même stimulé pour vérifier si je bloquais le langage, et qu'est-ce qui s'est passé devant de très nombreux témoins Rien. Ce qui veut donc dire qu'on en revient à Pierre-Marie, qui en 1907 avait dit finalement ça ne marche pas comme ça, et il avait expliqué en quadrilatère, ça veut dire finalement déjà un début de connectivité, et personne n'enseigne ce quadrilatère de Pierre-Marie dans les études à l'heure actuelle, peut-être un tout petit peu de neurosciences, mais de médecine pas du tout, ou alors une mention histoire de se souvenir, mais ça n'intéresse personne. Et on va continuer à dire c'est finalement, une région qui sert à comprendre, une région qui sert à produire, une petite flèche entre les deux, et voilà comment on fonctionne, et pas du tout. Et pas du tout, on parle aujourd'hui du cerveau connecté, en neurosciences, il est évident que tout le monde a bien compris qu'il s'agit de réseaux, mais je vais aller plus loin parce que je vais vous parler ce soir, de réseaux de réseaux, donc de méta-réseaux, pour coordonner les réseaux qui eux-mêmes sont faits de sous-réseaux, qui eux-mêmes sont faits de mosaïques dont on vient de parler, en sachant que ces hubs, ces... Les épicentres plurimodaux peuvent participer évidemment à plusieurs sous-réseaux, ce n'est pas du tout cloisonné, et que tout ceci est en train de changer en permanence. Le cerveau est une, sex une succession perpétuelle d'états d'équilibre, qui fait qu'à la limite, vous allez peut-être sortir de cette session en ayant déjà un méta réseau totalement différent. Ou pas. Ça va dépendre de ce que vous allez entendre, mais aussi de vous et de la façon dont vous le percevez et ce que vous voulez en faire. Donc, on ne peut pas exclure non plus, au-delà de la cognition, du langage, du mouvement, de l'action, dans le comportement, la première chose, c'est l'émotion, la personnalité. Et on a tendance à l'oublier parce que c'est comme ça, malgré tout, qui fait que si vous êtes motivé, vous soulevez des montagnes. Si vous ne l'êtes pas, vous n'y arriverez pas. Et pour prendre le problème par l'inverse, en même temps, je suis en train de vous montrer une IRM avec un gros trou avec comme vous pouvez le voir du noir au niveau des deux lobes frontaux chez des patients que j'ai lobectomisés et on doit se dire qu'est-ce que ça doit être horrible que de vivre lobectomisé ce patient-là ça fait 15 ans que je l'ai opéré, il travaille, il a des scores cognitifs normaux, il a un comportement normal, il conduit, il s'occupe de sa famille, il voit grandir ses enfants le cerveau est magique et on l'a réduit à très peu parce que, parce que je ne sais pas. Est-ce que ça faisait peur de se dire que finalement, on n'était peut-être pas complètement à même de maîtriser le cerveau et que c'est le cerveau qui nous maîtrise C'est pour ça que c'est bien de temps en temps de lui dire merci de m'avoir proposé cette solution comme je disais en entrée, mais peut-être qu'il y a des alternatives. Alors comment j'en suis arrivé à ce type de conclusion basée sur l'observation Finalement, tout ce que j'ai fait pendant 25 ans, c'est pas bah, découvrir c'est juste observer et pour ça j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, mais de voir beaucoup de patients, plus de 1000, porteurs de pathologies pourtant relativement rares qu'on appelle des gliomes, des tumeurs du cerveau qui ne viennent pas d'ailleurs dont on ne connaît pas l'origine et je me suis en particulier concentré sur ce qu'on appelle des gliomes de bagrade, ça veut dire des tumeurs qu'on considérait comme étant bénignes quand j'ai commencé il y a 25 ans, mais qui en fait se transforment comme le grain de beauté qui devient mélanome et qui finit par donner des troubles, évidemment fonctionnelle, mais aussi mettre euh, la vie en jeu. Et à ce moment-là, on avait tendance à dire on va opérer, évidemment, il était trop tard. Maintenant, il est impressionnant de voir, et c'est pour ça qu'on va utiliser, si je puis dire, euh, cette tumeur pour nous montrer à quel point le cerveau est magique et capable de s'adapter, puisque les grosses images que je vous montre, et je suis sûr qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre qu'il y a une grosse boule et que ce n'est pas normal, ces patients-là vont bien. Je veux dire qu'ils mènent une vie active, que souvent ils ont entre 20 et 50 ans et que souvent c'est la crise d'épilepsie inaugurale, le cerveau qui dit stop, ça fait quand même un peu trop, qui nous fait faire le diagnostic. Donc ça montre à quel point... Cette succession d'états d'équilibre dont je parlais peut être repondérée, qui fait que le cerveau est un système tampon, et que si vous tournez d'un quart de dixième de tour tous les mois pendant des années, finalement vous allez réussir à lui faire faire des choses qu'on n'aurait pas pu penser selon un mode localisationniste, une région qui correspond à une fonction, et si cette région est lésée, donc on a des troubles, et ces troubles ne récupéreront jamais. Et tout ceci est évidemment totalement faux, sinon ça explique. Ça ne pourrait pas expliquer que les 1000 patients dont je vous parle aillent bien. Mais ils ne vont quand même pas si bien. Ce phénomène dit de neuroplasticité, donc de capacité d'adaptation, a quand même des limites, comme vous l'imaginez, d'où la crise d'épilepsie. Mais ce qu'on fait surtout, c'est des bilans cognitifs chez des patients qui mènent quand même une vie active et qui estiment qu'ils n'ont pas de troubles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la famille estime qu'ils n'ont pas de troubles et que l'environnement socio-professionnel... Ne s'est aperçu de rien. Et c'est a posteriori, ah oui, mais j'étais plus fatigué, c'est la crise de la quarantaine, c'est la Covid, etc. Non, non, si on fait quand même un bilan psychologique il y a des petits troubles, mais objectifs. Donc c'est rassurant d'une certaine manière. Le système a des limites. Et vous allez me dire, ben donc c'est lié à la localisation de la tumeur. Pas du tout. Parce que cette humeur, pour une raison obscure, je ne vais pas rentrer dans les considérations oncologiques ce soir, mais adore migrer le long des autoroutes du cerveau, donc des voies de connexion. Et elle les empreintes, pour comme vous pouvez voir, c'est pas une boule, ça diffuse le long de câbles. Et évidemment, plus les câbles sont infiltrés, plus les, les autoroutes sont embouteillées, moins la fonction est de bonne qualité, et plus il y aura un déclin cognitif au sens large. Et c'est là où on a été obligé de s'intéresser très tôt, n'oubliez pas, on est parti de l'observation, de la limite de la neuroplasticité, et pas tellement finalement de dire le cerveau est magique. Ça, ça a été mon postulat dès le début en voyant ce type de patient. Donc l'idée inverse a été, selon moi, de presque bayésien euh, quelles sont les limites Et une fois que vous connaissez les limites, en tant que neurochirurgien, bah, finalement, ça peut éviter de faire des bêtises pour faire une histoire longue d'un point de vue oncologique, très courte. En 25 ans, quand j'ai commencé, la médiane de survie était de 6 ans, maintenant elle est de 17 ans, et en fait, dans la dernière série que je vais publier dans peu de temps, elle est de 20 ans. Ça veut dire qu'en gros, on a triplé l'espérance de vie, et c'est loin d'être satisfaisant, mais 20 ans, c'est quand même une génération. Donc ça donne la possibilité d'avoir des enfants, d'acheter une maison, de rembourser, de décider si on veut aller vers telle ou telle carrière, surtout entre 20 et 25 ans, au début, quand le diagnostic est fait. Donc ça veut dire que quand même, il vaut mieux vivre vraiment bien, non pas simplement en évitant d'être paralysé ou aphasique, mais avec une métacognition qui est préservée. Qu'est-ce que je veux faire pour la suite de ma vie La conscience de savoir ce que l'on sait. Et ça, ça n'a pas beaucoup intéressé les médecins, les neuro-oncologues, les neurochirurgiens, les neurologues. Dernière décennie, puisque de toute façon, il y avait une région qui correspondait à une fonction, on parle oui-non, on est connecté oui-non. Le reste, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, il a fallu qu'on s'intéresse à la nuance, et c'est là où on a vu les interactions entre les réseaux. Comment on a fait ça Premièrement, en utilisant l'imagerie fonctionnelle, et donc je ne vais pas trop insister parce que je suis certain que vous avez eu de nombreuses conférences sur deux façons non-invasives, on peut avoir une bonne idée de comment fonctionne le cerveau, oui, une bonne, mais ce n'est pas la réalité. Ce sont des biomathématiques, des biostatistiques derrière qui partent de modèles tels que s'il y a des variations de débit sanguin cérébral régionaux, alors on en a un ce qui se passe au niveau des réseaux de neurones. Oui, on en a un mais le lien n'est pas si direct que ça. Ou bien si les mouvements de molécules d'eau diffusent un petit peu plus rapidement dans cet axe que dans celui-ci, si vous voulez évidemment vous déplacer dans la salle, alors on en a un les fibres, les câbles dont je vous parlais. C'est pas mal, mais ce n'est pas exactement la fonction non plus de ces fibres, etc. etc. Donc, comme il n'y a pas de bonne méthode et qu'il faut tout cumuler, il se trouve qu'on a introduit une autre, qui existait depuis une centaine d'années, là aussi, il faut rendre à César comme je disais tout à l'heure, mais finalement il y avait eu trois, quatre neurochirurgiens qui l'avaient fait en 100 ans, à savoir, pour une raison obscure. Réveiller les patients au bloc opératoire, puisque le cerveau n'a pas de récepteur pour la douleur, puisqu'il n'était pas prévu qu'on soit en contact avec l'environnement. Donc, on ne ressent rien, pas de douleur. Et donc, on peut faire un véritable bilan neuropsychologique, mémoire, langage, attention, multitâche, etc. Tout au long de l'ablation d'une tumeur qui a un fil de cerveau pour en arriver à une véritable lobectomie, parce que les patients vivent trois fois plus longtemps, une génération. Mais il faut qu'ils la vivent bien. Donc, Rien n'empêche de faire de l'imagerie fonctionnelle avant et après intervention chirurgicale, et c'est ce que je vous montrerai, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes, puisque encore une fois, c'est très humble, c'est je ne sais pas comment fonctionne le cerveau, et tout ce que j'ai à faire au bloc opératoire, c'est être connecté au connectome du patient de façon à écouter ce que son cerveau a à me dire, vas-y, vas-y, continue, stop, arrête. Mais comment il a fait pour se réorganiser Et là, faire de l'imagerie fonctionnelle avant, après, alors que ça a été fait beaucoup avant, après, accident vasculaire cérébraux. Oui, mais on ne sait pas quand on aura son accident vasculaire cérébral, donc on n'a pas tous une référence. Tandis que je sais que lundi prochain, 8 h, je vais opérer un patient. Donc il aura son IRM fonctionnel le dimanche. Et donc on peut en refaire une le mardi, et on peut en refaire une dans trois mois et dans 10 ans. Et c'est ça qu'on a commencé à faire, et on a vu que le cerveau se modifiait chez les mêmes patients, donc êtres humains, au fur et à mesure. Et c'est vrai en surface, c'est vrai au niveau des câbles, j'y reviens pas, en faisant attention à toutes ces limitations qui sont vraiment de plus en plus montrées par les chercheurs. Ces diapositives veulent juste dire que si vous donnez une acquisition d'un volontaire sain et que vous le distribuez dans une quarantaine de centres à l'heure actuelle au monde experts dans la reconstruction des fibres de façon non invasive, il vous donne en gros 40 réponses différentes. C'est un peu gênant pour un neurochirurgien quand même de dire donc qui je dois croire quand je vais aller au bloc opératoire et en partant du principe que le patient va avoir un cerveau unique. Nous avons tous un cerveau différent. Donc, on réveille les patients, donc on voit ce qui se passe en temps réel. Et les stimulations électriques, puisque ces câbles, c'est de la biochimie et de l'électricité, font qu'on va perturber t, 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 transitoirement le patient parce qu'on a stimulé non pas la région qui correspond à la fonction, mais une porte d'entrée qui peut aussi bien connecter A qui se trouve ici et B qui se trouve là, donc très à distance avec au moins un câble entre les deux, mais peut-être plusieurs aussi parce que peut-être qu'il y a eu un relais au niveau de Z. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre dans l'interaction entre les régions qui font des sous-réseaux, l'interaction entre les sous-réseaux, phonologie, syntaxe, qui vont faire le langage, et l'interaction entre les réseaux qui font que je parle et je bouge en même temps, etc. etc. Et tout ceci peut être bloqué transitoirement au bloc opératoire, lésion virtuelle transitoire. Donc c'est important pour le patient, bien sûr, puisque vous montrerez tout à l'heure que finalement, plus de 99% des patients opérés vont bien. Donc le risque zéro n'existe pas, il faut savoir humilité garder, mais on n'est pas loin d'avoir quasiment aucun souci, à condition d'enlever suffisamment de tumeurs. Ceci est une autre histoire, c'est la balance, on en a parlé tout à l'heure. Mais donc quel est l'intérêt ben, L'intérêt pour le patient, c'est évident, pour le clinicien. Mais aussi pour la recherche, parce que du coup, de façon invasive, et parce qu'on a une bonne raison, il faut enlever une tumeur au cerveau, on voit ce qui se passe vraiment au niveau anatomique et fonctionnel, en surface, en profondeur, quand tout fonctionne, quand tout dysfonctionne volontairement, en stimulant quelques secondes et évidemment en restimulant pour vérifier si c'est reproductible. Bilan neuropsychologique en temps réel, au bloc opératoire, à la carte. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas tous la même qualité de vie parce qu'on n'aspire pas aux mêmes choses. Évidemment, on ne va pas être paralysé, on ne va pas être aphasique. Mais est-ce que ça suffit à dire ⁇ voilà ce que je vais faire pour les 20 ans futurs ?⁇ On en revient à ces différents fonctions des loisirs, en fonction du fait qu'on soit sportif ou pas, artiste ou pas, du travail, de sa personnalité, tout ce qu'on vient de dire. Et du fait, par exemple, on ne va pas tester l'anglais chez un patient qui parle français. S'il est bilingue, on va tester les deux. Donc vous voyez à quel point finalement un impact qui pour un, pour un être humain n'aura quasiment pas de conséquences dans la vie de tous les jours, pour un autre peut détruire la vie. La sensibilité du quatrième, si vous êtes concertiste de haut vol, vous perdez votre vie. Si vous considérez que votre vie, c'est d'être concertiste de haut vol donc à la carte, mais la carte ensuite, évidemment, on la pondère en fonction de ces fameux réseaux dont je vous ai parlé, qui sont quand même contraints, contraints par de l'anatomie, ce qui rassure, il y a des fibres, et si vous coupez les fibres, ben je ne vais pas le faire parce que si j'enlève le câble, je ne suis pas sûr après que ça va se reconnecter, je me méfie de la technologie, mais vous imaginez qu'il n'y aura plus d'images. C'est aussi simple que ça non c'est plus compliqué mais ça veut dire que au moins on connaît la limite et ce qu'il ne faut pas faire donc ce qu'on a fait c'est enlever une partie du cerveau selon des limites fonctionnelles à l'échelon individuel en temps réel et il n'y a jamais eu deux interventions similaires les résultats avant d'en arriver à qu'est ce que ça nous a enseigné vraiment sur le fonctionnement 900 patients, beaucoup de réinterventions parce qu'on n'arrive pas forcément à les guérir. Donc, on est obligé de réopérer des années plus tard. Et d'un autre côté, ça permet aussi indirectement de revenir et de refaire une carte et de dire bah, le cerveau n'est plus le même chez le patient que j'ai opéré il y a une dizaine d'années. Sa carte s'est modifiée. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des statistiques, c'est la réalité absolue. Moins de 1% de déficit, l'amélioration des crises d'épilepsie dans plus de 80% du temps. Et ce qui peut paraître vraiment extraordinaire, et c'est peut-être ça à retenir aujourd'hui dans le cadre du cerveau connecté, c'est que vous pouvez. Avoir un patient qui va bien avant l'intervention chirurgicale parce que la découverte a été fortuite, parce qu'il avait mal à la tête, parce qu'on a découvert une tumeur en faisant une IRM alors qu'il n'y avait pas eu de crise d'épilepsie, que le cerveau n'a pas dit je suis à la limite, que vous faites une lobectomie, que cette lobectomie vous permet d'enlever complètement de la tumeur en prenant de la marge, qu'elle inclut la région de Broca qui est sacro-sainte et qui fait que le patient sera aphasique mais il l'est pas, et que vous le rééduquez parce que vous êtes encore plus ambitieux et que vous regardez les scores six mois plus tard et qui vont mieux qu'avant. Alors qu'il allait déjà bien avant et qu'il ne se plaignait de rien. Le cerveau est magique. Et du coup, évidemment, tout le but maintenant, c'est d'opérer, de réopérer, de réopérer, -ré -ré pas tous les jours, mais tous les 5 à 10 ans à peu de choses près, d'enlever un petit peu plus de tumeur parce qu'elle a réévolué dans l'intervalle, de l'empêcher de devenir maligne. Le patient continue à vivre et malgré tout, il n'a pas plus de conséquences parce qu'à chaque fois, on peut enlever plus de cerveau parce qu'il se réorganise au fur et à mesure des années. La plasticité existe bien au-delà de 30, 40, 50, 60 ans. Mais c'est variable d'un patient à l'autre. Donc, comment le savoir a priori La réponse est on ne sait pas a priori. Donc, on ne peut que s'adapter au fur et à mesure. Je serai à Los Angeles le mois prochain et dans le grand centre de Houston, du MD Anderson, en cancérologie. Et je vais leur infliger ce qu'ils attendent et ce dont ils ont horreur. ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé mon protocole et que je n'ai pas de protocole. Ça marche difficilement aux États-Unis et pourtant ils n'arrêtent pas de m'inviter pour que je dise ça. L'être humain est étonnant dans cette nuance. Je ne vais pas insister sur les survies, je pense que vous avez bien compris et que ce n'est pas limitatif non plus, à tel point d'ailleurs pour la petite histoire, pour montrer jusqu'à quel point on peut influer sur une prise en charge globale, mais à à l'échelon d'une philosophie sociétale, c'est qu'à l'Académie nationale de médecine, il y a quelques années, on a proposé avec deux, trois collègues, vu les résultats que nous avions, de faire une véritable politique de dépistage dans la population en général, entre 20 et 40 ans, avoir une séquence sans injection de quoi que ce soit non invasive, d'IRM, euh, séquence qu'on appelle FLAIR, qui permet de dépister une tumeur. Chez un patient potentiel asymptomatique et de l'enlever plus tôt, parce que plus on arrive tôt, plus on enlèvera plus, plus le patient récupérera, parce que moins il aura atteint le, les limites de la neuroplasticité, moins il y aura de risque que la tumeur devienne maligne. Et il y a des patients, j'ose pas le dire, mais peut-être qu'avec 25 ans de recul, finalement, je les ai guéris. Et l'Académie a dit oui. Oui, pourquoi parce qu'on a mieux compris comment fonctionne le cerveau et la première chose qu'on a écrite c'est la région de Broca n'existe pas. Oui, mais vous le dites à Montpellier du Faux. Non, 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 on l'a publié il y a peu de temps avec des collègues aussi à San Francisco et à Shanghai. Donc ça veut dire dans des langues différentes mais aussi dans des mécanismes langagiers différents à savoir idéographique versus alphabétique par exemple. Ce sont des réseaux où Broca peut être impliqué Parfois, chez certains individus, il peut être impliqué à un moment donné de la vie, mais ne l'est plus quand on réopère. Et il peut être impliqué parce que euh, finalement, la conformation, alors là peut-être éducationnelle, on peut discuter à plus soif, génétique, etc., fait que c'est un épicentre qui restera critique chez ce volontaire saint. Et pour autant, il peut aussi disparaître de la circulation de ce réseau, vous pouvez l'enlever et le patient n'aura strictement aucune conséquence, voire même encore une fois, sera tellement capable d'apprendre en post-opératoire grâce à la rééducation qu'il ira mieux qu'avant alors qu'il allait déjà bien. Donc, ça n'est finalement qu'un recrutement de plusieurs mosaïques ensemble que l'on va connecter, et ce, avec des synchronisations différentes pour en faire une symphonie. Tout doit être rythmé également avec la quatrième dimension où tout est en train de se modifier, comme je l'ai dit et je continuerai à le redire au fur et à mesure de cette présentation. Et ça, c'est plus difficile parce qu'on aurait envie que ce soit une bonne fois pour toutes figé. D'accord, on a compris. Ce patient-là, un cerveau différent. Ok, il n'y a pas un modèle unique. Mais une fois qu'on a compris, ça y est, ça ne bougera plus. Si, ça va continuer à bouger. Mais c'est compliqué. Mais je n'ai jamais dit que c'était simple. Mais c'est ça qui ouvre les portes justement pour pouvoir adapter la chirurgie en conséquence. Et pourquoi j'insiste sur la chirurgie Parce que c'est la démonstration absolue avec ce type, quand même, de lobectomie, où vous pouvez faire toutes les imageries ensuite et tous les bilans neuropsychologiques du monde. Si tout est entre guillemets normal selon les scores en vigueur, en sachant que ça change de toute façon au fur et à mesure, là aussi on peut discuter à plus soif. Ça prouve bien que le cerveau est capable de se réorganiser au-delà de notre imagination. Donc, une bonne fois pour toutes, acceptons-le et essayons de comprendre comment il fait, et essayons de le prédire, voire essayons de l'aider. C'est un peu ce qu'on appelle aussi l'éducation. Parce que la plasticité n'est pas que pathologique, mais elle est physiologique. Donc, il faut arriver à guider. Et je vais vous donner un secret. Le transhumanisme, ma définition, c'est le travail. Plus vous poussez le cerveau à faire des choses justement originales, à réfléchir, à aller à l'encontre de ce que vous pensez savoir, des automatismes de haut vol, plus ça va l'obliger à trouver de nouvelles connexions, pour trouver de nouvelles solutions. Voilà la façon dont on peut faire un homme augmenté. Tout ceci n'a de valeur qu'encore une fois si on tient compte du comportement et de l'interaction avec soi-même quand même ça peut aider, et les autres. Donc la mentalisation, un terme qui est très à la mode à l'heure actuelle, et qui ni plus ni moins signifie finalement l'empathie, en sachant qu'il y a différents niveaux, bien entendu, dont on reparlera peut-être ou pas en fonction du temps. Toujours est-il que... Ce qui est extraordinaire dans le tenseur de diffusion de cette nouvelle séquence d'imagerie qui existe depuis une vingtaine d'années et eu la chance de pouvoir y participer finalement, puisque j'étais euh, orcé, quand Denis Le est revenu des États Unis a dit J'ai trouvé quelque chose c'est que, en montrant de belles images aux neurologues, aux neurochirurgiens, aux neuroscientifiques et au grand public, d'un seul coup on s'est dit Ah, c'est connecté par des fibres rouges, jaunes et bleues. Euh, oui, c'est ce que disait, vous vous souvenez, le fameux quadrilatère de Pierre-Marie. Il a dit, mais il y a des connexions. Oui, non, mais c'est compliqué, c'est ésotérique, c'est scientifique, on comprend rien. Tandis que, là. ah oui, il y a des câbles. Donc ça marche comme ça. Voilà, à peu près quand même le niveau à l'heure actuelle. Je suis désolé, mais du congrès annuel de neurochirurgie. International américain, puisque j'y suis invité, j'ai eu la chance la dernière fois de faire la session plénière. Je infusé la même chose. Enfin, à un moment donné, il faut aller un petit peu au-delà quand même que de regarder trois couleurs qui sont en train de s'entrechoquer en sachant que l'important, ce n'est pas que les couleurs l'important, c'est les terminaisons corticales. Le réseau, ce n'est pas que les fibres c'est est-ce que A est connecté à Z est-ce que C est connecté à Y oui, mais ça, on verra au fur et à mesure. Non, on n'a pas le temps. Quand on est au bloc opératoire, il faut comprendre ces interactions. Si je reviens à quelque chose de très simple, il a toujours été dit, et ça continue dans les études de médecine, que, euh, en gros, devant, ça servait à bouger, derrière, ça sert à sentir, dans la région dite centrale. Donc, vous voyez, c'est au milieu, c'est central. En fait, c'est beaucoup plus interactif, puisque vous ne pouvez pas bouger si vous sentez pas, vous ne pouvez pas, etc. etc. Et il y avait un. Un euh, maître dans le domaine qu'il avait dit dès les années 1940, Penfield, euh, Montréal, qui réveillait les patients, qui a vraiment été à l'origine de ce concept et qui a dit de telles choses qu'on a dû le simplifier. Je m'en suis aperçu a posteriori, j'entends l'histoire et figer peu ou prou ce qu'il avait dû un jour rédiger sur un, un croquis tellement qu'il devait être énervé. Alors qu'en fait, quand on relit ses écrits, il dit l'instabilité du point moteur, ça bouge tout le temps mais ça a intéressé personne. Et je suis sûr que hier soir vous avez eu donc une conférence qui parle des problèmes de mouvements anormaux mais mouvements anormal pourquoi on a encore l'impression qu'il y a une zone et mettons tout un réseau qui intervient dans je bouge mais c'est pas tout d'être hémiplégique, oui non c'est différent de pouvoir faire ce mouvement par rapport à jouer un concerto pour et pour de piano pour Rachmaninov et euh, 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 piano et orchestre. Donc, ça dépend si vous avez une coordination bimanuelle qui fait que vous devez réguler le mouvement de façon beaucoup plus compliquée dans le timing, dans la sensibilité, dans etc. etc. Ben, il se trouve qu'il y a des réseaux qui interviennent dans ceci. Et ces réseaux-là, finalement, on les a décrits par hasard, juste en les observant, il y a moins d'une dizaine d'années. Et vous savez quoi C'est une interaction entre ce qui sert à exécuter le mouvement et celui qui fait que, moi, si je stimule d'un seul côté, je vais inhiber le mouvement du patient, transitoirement. Et c'est une balance entre les deux qui va permettre... Ensuite, d'aller vers la complexification de la gestuelle, de l'acte, et finalement de la conscience, de l'intention de l'action, qu'on appelle la connation. Donc, ça va beaucoup plus loin que je bouge, oui, non. Et donc, ça intervient évidemment dans la parole. Parce que je l'ai fait tout à l'heure, on peut induire un bégaiement au bloc opératoire. Donc, on a à l'heure actuelle des recherches qui sont spécifiquement sur comment fonctionne le bégaiement. Et ce n'est pas une zone. Ah, elle a été perturbée oui non c'est tout un réseau entre deux zones mais en fait c'est une interaction entre plusieurs sous-réseaux l'un qui met en route l'action l'autre qui coordonne l'articulation et tout ceci avec la temporalité vous imaginez qu'on pourrait passer la nuit juste sur le bégaiement et les bases neurales les bases somatosensorielles, l'entrée sensitive. Vous imaginez courir si vous ne sentez pas bien votre jambe bien Pourtant, j'ai induit chez une patiente un jour, je ne m'en suis aperçu qu'à posteriori, qu'elle boitait, non pas parce qu'elle a un déficit neurologique, mais parce qu'elle a l'impression, depuis que je l'ai opérée, qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. J'ai modifié la conscience de son schéma corporel. Ça on n'arrête pas de nous parler de conscience à l'heure actuelle, mais ça ne veut rien dire puisqu'il n'y a pas une conscience, il y a des consciences, la conscience de son schéma corporel, la conscience de l'environnement qui est basée à la base sur donc je vois, voix visuelle, mais aussi la conscience spatiale. Il y a la conscience de soi, l'introspection. Il y a la conscience, comme je vous disais tout à l'heure, de savoir ce que l'on sait. La conscience noétique, voire autonoétique. Donc, que veut dire la conscience ben, C'est des interactions de conscience au pluriel, et pas chacune faite par un sous-réseau cloisonné de l'autre, mais interactif avec des épicentres qui sont communs, mais qui peuvent changer aussi en fonction de ce que vous décidez de faire. Ce n'est pas commun une bonne fois pour toutes. Ça n'arrête pas de se modifier. C'est pour ça qu'à un moment donné, plus c'est labile, plus c'est compliqué. Donc l'attention en fait partie. Et peut-être que vous commencez à avoir un petit peu plus de mal parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est fait exprès. Et en même temps, ça ne se veut pas technique, même si les diapositives le sont, mais simplement pour vous dire... Si on n'est pas attentif, concentré sur une problématique qu'on arrivera à appréhender, on ne pourra jamais trouver une solution qui se rapproche de la question posée, puisque, par définition, c'est plurimodal, pluripondéré et que ça change tout le temps. C'est ça le principe des phénomènes attentionnels qui peuvent être pris à différents niveaux. L'attention soutenue, on va continuer à se concentrer sur une tâche bien précise, ou l'attention divisée, ah, voilà ce qui est en train de se passer à ma droite, à ma gauche, il y a une personne qui vient de sortir. Et en même temps, je sais que je vais commencer à déborder un tout petit peu dans 10 minutes sur le timing qui m'a été alloué. Donc vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. C'est le multitâche basé sur l'interaction entre les différents réseaux. Et évidemment, on vient de parler beaucoup de mouvements, d'attention, de somatosensoriel, de vision, mais après, je ne vais pas vous infliger tout ce qu'il y a dans le langage, mais vous pouvez imaginer que le langage s'est fait de plusieurs voies, dont l'une qui permet de produire la phonologie. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'articulation que j'ai mimée tout à l'heure, mais il y a aussi la syntaxe. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des épicentres de surface, mais qui sont reliés par des câbles. Or, il y a des câbles communs, donc des autoroutes qui font que si vous partez de Marseille, vous pouvez à un moment donné quand même bifurquer vers Dijon, à Lyon par exemple, ou continuer vers Paris. Et on va dire « oui, globalement, c'est le même câble ».« Ah, ça ne fait pas tout à fait pareil demain soir d'être à Dijon ou à Paris ». Et tout ceci s'interconnecte. Quand on a voulu publier un article sur les modifications, le switch langagier d'une langue à l'autre, dans Brain Language, ils nous ont dit c'est super, mais par contre, on voudrait que vous parliez surtout de langage, puisque le journal s'appelle Brain d'accord, and Language. Euh, non, on est forcé d'avoir des fonctions exécutives qui disent, et là je me le prépare, ça donne les, avec un switch d'anglais, je fais un donc d'un seul coup ça c'est pas le langage c'est parce que je vous ai dit que j'allais me préparer pour pouvoir à un moment donné switcher et évidemment on va nous dire oui mais on sait très bien qu'entre l'anglais et le français il y a des zones qui sont superposables des zones un peu dissociées mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est quand on décide d'aller de l'un à l'autre et vous savez ce qui se passe au bloc opératoire quand je stimule les patients switch ils ne le font pas exprès donc il y a un déverrouillage du contrôle cognitif vous savez ce qui fait la différence entre l'homme et le chimpanzé Une grande partie de la voie ventrale sémantique. Ils n'ont pas de faisceau fronto-occipital inférieur, peu importe le terme, mais c'est de savoir qu'il y a une grande voie qui est peut-être le plus grand faisceau chez l'être humain parce qu'il est supra connecté. Et d'ailleurs, le terme occipito-frontal, en fait, il connecte aussi le temporal et le pariétal. Donc, vous voyez à quel point. On ne connaît pas l'anatomie et qu'on l'implémente au fur et à mesure, mais je peux vous dire une chose, si vous le stimulez, vous pourrez continuer à bouger, à parler, mais vous n'allez pas revenir au travail, parce que vous n'arriverez plus à résoudre les problèmes dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, à gauche comme à droite, le faisceau qui intervient dans l'accès au lexique pour trouver les mots. Attention, du vous allez virer au localisationnisme. Vous commencez à dire un faisceau correspond à une fonction. D'accord, ce n'est pas une zone, ce n'est plus une zone, mais ça commence à. Non, 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 non. Je ne vais pas sombrer dans ce piège. Instantanément, je vais vous dire oui, mais il va y avoir une interaction entre le grand faisceau dont je vous ai parlé tout à l'heure et le plus petit faisceau qui intervient dans l'accès au langage, au lexique, qui fait que. L'un peut compenser l'autre, ce n'est plus une zone qui compense une autre zone, c'est un réseau qui compense un autre réseau. C'est comme ça que ça marche. Et vous allez me dire, donc aucune conséquence, on peut le couper son problème. Non, on ne peut pas. Il y aura une augmentation du temps de réaction. Oui, mais qu'est-ce qu'on en a à faire bah, Quand vous avez une tumeur au cerveau, une épilepsie, avec 10 crises d'épilepsie par jour, il vaut peut-être mieux le couper. Mais si vous voulez revenir au travail, il y aura une corrélation directe entre le temps de réaction et la possibilité de reprendre une activité professionnelle, si tant est qu'il y en avait une avant, parce que si vous avez 10 crises d'épilepsie par jour, la plupart du temps, vous ne travaillez plus avant. Mais voilà les questions qu'on peut se poser et les indices que nous avons au bloc opératoire. En d'autres termes, on demande aux patients, au bloc opératoire, pas de parler de bouger, mais de faire les deux en même temps, mais en même temps de parler en associant des items. Vous avez un chat, un chien, une voiture, il est évident que le chat va avec le chien sémantiquement. Mais on peut très bien dire, le chat va avec la voiture. Cat, car », Parce que ça commence pareil, phonologiquement. Donc ça veut dire que vous ne comprenez plus. Et pourtant, vous parlez et vous bougez. Vous pouvez très bien associer, mais vous pouvez demander plus de 4 à 5 secondes. Hein, c'est pas bon, plus de 4 à 5 secondes, c'est un problème déjà dans l'interaction entre les différents réseaux. Ce patient, il ne va peut-être pas revenir au travail. Il m'avait dit à la carte, je le souhaite expressément, il faut en rester là. Et en même temps, on vous demande de vous auto-évaluer, ce qu'on ne fait jamais assez dans la vie de tous les jours. De 1 à 6, ce que je viens de vous dire, c'est une bêtise. Hein. Ce que je viens de vous dire, je suis sûr. 6, ah, pas de chance, vous venez d'associer la voiture avec le chat. Donc, le patient n'a plus conscience du fait qu'il dit une bêtise. Et tout ceci, toutes les 5 secondes, sans arrêt, dont vous moniterez l'attention soutenue. Donc, souvent, on me dit, mais vous êtes vraiment sûr du faux que ça résume la vraie vie, ce que vous faites au bloc opératoire Non, ça va au-delà, parce que je connais peu de gens qui, systématiquement, font autant de tâches en simultané, en s'auto-évaluant toutes les cinq secondes. Et donc, ils sont fatigués. Et ceci au niveau de l'hémisphère droit non dominant, puisque la médecine étant dogmatique, on a tous l'hémisphère gauche qui est supradominant, surtout quand on est droitier comme moi, où il y a tout le langage et le droit il sert à rien, ou quasiment, s'il si sert quand même à contrôler la région centrale le fait que je bouge du côté gauche. Vous y croyez vraiment à ça? Mais pourtant, c'est encore ce qui est enseigné dans les facultés de médecine, donc il y a peu de temps dans la grande revue de physiologie humaine, donc ça va bien au-delà de la chirurgie, ça va bien au-delà des tumeurs cérébrales, etc. Quand on s'est expliqué que tout ceci était connecté, et notamment je vais vous livrer un secret l'hémisphère droit est connecté à l'hémisphère gauche. Ah oui et oui, il faut en tenir compte même quand on parle de langage. Mais c'est surtout connecté à l'émotion. Et vous voyez bien que ça monte en ce qui me concerne. Et donc, chaque note devrait être jouée comme si sa vie en dépendait. Qui, j'arrête, l'avait dit. C'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. C'est comme ça qu'il faut faire une intervention chirurgicale. C'est comme ça qu'il faut écrire un article. C'est comme ça qu'il faut faire une présentation. Sinon, vous ne le vivez pas vraiment. Et sinon, vous ne pouvez pas accéder transitoirement à une certaine forme de votre méta-réseau qui doit vous dépasser de façon à vous montrer vos limites et vous dire demain, il faudra que je fasse mieux. Et donc, il y a une interaction inéluctable avec les aspects comportementaux qui font finalement plutôt peur aux neurochirurgiens, je sais de quoi je parle, dans le sens où on n'aime pas trop dire on, on va tester les patients après les interventions chirurgicales. Donc évidemment, on l'a fait, puisque comme ils vivent, comme ils sont aphasiques, comme ils ne sont pas hémiplégiques, comme ils reviennent au travail non plus de 95% du temps, c'était parfait. J'ai cru que j'étais bon. Mais en fait, les familles, vous savez, mon mari, il s'est modifié. Il est plus irritable, il est plus dépressif il est plus, etc., etc. bien sûr. donc, il est temps quand même qu'on regarde les interactions entre le mouvement, la conation, la cognition, le langage, si on veut, et le comportement au sens large pour avoir une adaptation au monde environnant et par rapport à ce que l'on souhaite. donc, au bloc opératoire, on a commencé aussi à demander aux patients de regarder les émotions exprimées par des visages et notamment par les yeux, ce qui est plus compliqué. Parce que vous avez moins d'informations, bien sûr, pour savoir si face à vous, la personne que vous regardez est plutôt en train, train d'exprimer la joie, la colère, etc. Et quand on stimule, c'est vraiment très impressionnant de voir que le patient est capable de bouger, de parler, de vous expliquer en disant ⁇ je sais que ce n'est pas un problème visuel parce que j'y vois bien, regardez, j'arrive à vous parler, mais je ne sais pas ce qui montre ⁇ ça y est, j'ai relâché la stimulation, ça fait 4 à 5 secondes, et instantanément, c'était la joie. ⁇ Qu'est-ce qu'on en a fait On a interagi avec les psychiatres, on a commencé à dire, imaginez un modèle, parce qu'en fait, il y a deux niveaux, évidemment, il y en a trois, et je dirais dans dix ans qu'il y en avait 250 000. Mais faisons simple, le premier niveau, c'est percevoir les émotions, des, les états d'âme des personnes face à vous. Le deuxième niveau, c'est en inférer les intentions. voyez à quel point c'est important d'un point de vue de la cognition sociale. C'est ce qu'on fait tous les jours. Alors on s'en rend compte ou pas, et puis à, à différents niveaux. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus mentalistes que d'autres. Maintenant, imaginez que la cognition soit parfaitement préservée. La cognition. Vous pouvez raisonner, vous ne faites pas d'erreur. Vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle. Vous arrivez à percevoir l'émotion Non, c'est ce qui manque. Mais vous arrivez à inférer les intentions il y a une dissociation entre les deux à votre avis ça donne quoi voilà la voie dorsale le miroir l'empathie le bas niveau voilà le haut niveau c'est simplifié mais on parle de cerveau connecté je vais vous montrer ce qui se passe en fait c'est ça tout le temps et on s'adapte évidemment les pondérations sont variables là, instantanément Qu'est-ce qui se passe s'il y a une dissociation entre les deux Le spectre autistique. Donc les psychiatres, enfin, commencent à s'intéresser vraiment aux bases neurales de modification, d'interaction entre les réseaux. Je ne parle même pas de dire qu'il y a des réseaux, quand même, mais euh, ce n'est pas la vaste majorité des psychiatres. Et c'est bien pour ça qu'on arrive à cette notion de métacognition, de s'auto-évaluer. Je ne vais pas aller plus loin. Sinon, vous voyez qu'on va frôler la correctionnelle dans le sens où la dernière stimulation dont je vous parlerai, qui est peut-être la plus impressionnante que j'ai jamais vécue, et je dis bien je le vivais avec le patient, il y a des régions du cerveau tellement connectées que j'ai semé une telle pagaille qu'il a dit Je ne suis plus moi-même. Je ne sais plus si je suis dans un rêve ou la réalité. J'ai vécu, é... c'est ce qu'il a dit, une épreuve de dépersonnalisation. Et il s'est mis à pleurer instantanément. J'ai arrêté la stimulation. Je lui en parle dix ans plus tard en consultation. Je ne le fais plus. Mais instantanément, il se remet à pleurer. Donc, je ne sais pas, mon empathie s'arrête là, ce que ça peut donner que de ne pas être moi-même. Mais je sais que je l'ai au moins induit chez un patient pendant quatre secondes dans sa vie. Donc, et c'était à droite. Que veut dire le mythe de l'hémisphère droit non dominant, etc., etc. Je pense que vous aurez bien compris maintenant que le cerveau a besoin des deux hémisphères, surtout quand vous avez une lésion, quand vous voulez compenser. Il y a eu là aussi des guerres d'école. à ah, La compensation après un accident vasculaire cérébral, c'est autour de la lésion. Non, non, c'est de l'autre côté. Je vous laisse imaginer la réponse. Ça dépend. Ça dépend du patient, mais ça dépend du moment chez le même patient également. Tout change au fur et à mesure. Et voyez le petit schéma dont je vous parlais tout à l'heure dans ce qu'on a appelé affectueusement l'homunculus, en fait ça se veut rigide et s'est enseigné comme ça depuis 80 ans alors que tout a été décrit de façon totalement dynamique observé au bloc opératoire par ce Wilder Penfield qui avait dit mais ça bouge au fur et à mesure que je suis en train d'opérer j'en sais quelque chose je l'ai vu aussi, j'ai même fait ma thèse de science là-dessus supervisée par Christian Xeri à l'époque il y a un certain temps. Donc ensuite, on a fait les fameuses imageries fonctionnelles dont je vous parlais. Pour conclure, vous allez avoir quelques images quand même, sinon vous, seriez, vous resteriez sur votre faim, de comment le cerveau s'est réorganisé. Vous voyez que les points ben, ils sont aussi en train de connecter de l'autre côté par rapport au côté qui a été opéré. Et là, on ne peut pas se tromper, puisqu'il y a un trou. Et du coup, comme le cerveau se réorganise... On va réopérer quelques années plus tard si on n'a pas réussi à enlever toute la tumeur pour ne pas faire de bêtises. Et du coup, on va enlever plus de cerveau, comme je vous disais. Du coup, ils vont vivre encore plus longtemps. Cet été, je vais réopérer, c'est déjà planifié, des patients quatre fois. Au bout de 25 ans, ils n'ont toujours pas eu de chimio, de radiothérapie, ils sont une vie active. Je vous rappelle qu'ils mourraient au bout de 6 ans, il y a 25 ans. Et voilà ce que nous pouvons être amenés à faire au niveau de la fameuse région de Broca, vous pouvez me croire ou pas, mais c'était elle. Et elle m'a résisté lors de la première chirurgie. Et comme il y avait de la tumeur et que j'ai horreur de perdre, j'ai dit aux patients, on va vous rééduquer et on va revenir dans quelques années. C'est ce qu'on a fait. Et cette fois-ci, on a enlevé la région de Broca, qui est un épicentre parmi d'autres, qui s'est modifié et qui n'était plus crucial quelques années plus tard. Donc voilà. Ce que l'on peut finalement arriver à canaliser dans le système nerveux central si on est à son écoute à l'instant T, mais en se disant qu'à T plus 1, ça aura déjà changé. Donc voilà toutes les régions qu'on a enlevées et qui sont considérées encore dans la littérature comme étant inenlevables chez des patients avec trois heures d'examen cognitif parfaitement normaux et publiées dans des journaux justement de cognition ou de neurosciences de façon à ce que ce ne soit pas la vérité biaisé, vu par le regard simplifié du neurochirurgien qui veut toujours que les patients aillent bien. Soyez objectifs. Donc la conclusion, c'est que c'est des réseaux, que ces réseaux travaillent entre eux, que du coup, ça explique pourquoi on peut compenser, et que c'est tellement compliqué qu'évidemment, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus multimodale de la recherche et qu'on utilise à la fois la neurophysiologie, la neuropsychologie, la neuroanatomie, la neuroimagerie, et évidemment les biostatistiques dans tout ceci, pour en arriver à essayer de mieux comprendre la dynamique lorsque vous allez créer une lésion. Et par exemple, lorsque j'enlève une partie du cerveau et que le patient ne va pas forcément très bien le lendemain parce que le cerveau gonfle, mais aura récupéré dans quelques semaines, si vous faites l'imagerie fonctionnelle, elle vous dit, attention, il y a une diminution de la connectivité cerveau connecté, entre les deux hémisphères. Et au fur et à mesure que le patient récupère, parce qu'il fait de la rééducation et qu'on n'avait pas à couper les câbles, sinon ça ne va pas bien se passer, il y a une réaugmentation de la connectivité entre les deux hémisphères, et pas juste droite-gauche, entre guillemets, pseudo-déconnecté. Mais en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que quand j'enlevais une région très corticale de surface haut située, je changeais les choses au niveau du petit cerveau du cervelet. Je n'en avais pas forcément conscience parce que même moi, j'ai été éduqué dans un moule qui fait que je dois m'enlever des œillères tous les jours encore en me disant Mais finalement, je dois interagir beaucoup plus à distance que, je, que ce que je pourrais penser. Et moi, finalement, mon petit monde s'arrête au niveau des hémisphères cérébraux, là où je vois les tumeurs. Ce qui n'est déjà pas si mal, mais je ne regarde pas les interactions avec la moelle qui fait partie du système nerveux central. Donc, j'ai quand même une. une Façon un peu limitée de me poser la problématique en fonction de ce que j'ai à résoudre. Donc, ces réseaux, comme vous pouvez les voir imagés, puis avec une tumeur avant, après, de l'attention, les cartes qu'on a pu faire de la fonction au niveau de ces câbles, basés sur la réalité. Et si je rentre dans les détails, vous allez dire c'est l'enfer, mais ça l'est. C'est ce qu'on est en train de faire comme carte, domaine par domaine, à la fois de surface, de profondeur, de fonction, de structure, d'anatomie et de réorganisation. Et à la limite. Mais comme c'est sans fin, on peut en devenir fou. Donc, il faut un contrôle exécutif qui vous permet de dire à un moment donné stop. Et c'est bien pour ça qu'on a écrit, on crée un atlas tous ces atlas sont normés, de neuroplasticité qui vous permet de savoir à plus de 90% si un patient va récupérer suite à une lésion cérébrale, bien au-delà d'une chirurgie de tumeur cérébrale, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Et pour vraiment conclure la notion de méta-réseau, vous avez vu que chaque réseau dont j'ai parlé est fait de sous-réseaux, puisque le langage c'était de la phonologie, de la sémantique, de la syntaxe, de la prosodie, enfin je n'ai pas pu tout détailler, le mouvement c'est l'exécution, c'est l'initiation, mais c'est aussi le contrôle, c'est aussi la rectification, etc., etc., mais quand on dit que les deux hémisphères interagissent, et pas juste avec ma petite flèche pour simplifier, mais finalement avec des épicentres qui d'un côté servent à un réseau qui est davantage pondéré par l'autre côté et vice-versa, et tout ceci change, on en arrive à la notion de méta-réseau transitoire. Vous êtes devant la télévision en train de regarder un mauvais téléfilm en train de manger un mauvais pop-corn. Donc vous voyez qu'on n'utilise pas beaucoup de son cerveau, c'est ce qu'on a l'habitude de, de, de dire. On utilise 5 ou 10 de son cerveau, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. D'un seul coup, vous avez l'alarme. Et volontairement, je ne prends pas un message verbal. L'alarme qui, vous faites la synthèse, il y a le feu à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment le feu Est-ce que c'est un dysfonctionnement Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut contrôler ces aspects neurovégétatifs aussi. Ah, il y a le feu. On va être paralysé pour certains. D'autres vont dire oh non, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, ça doit être l'alarme qui dysfonctionne. D'autres vont dire s'il y a vraiment le feu, est -ce que, euh, où est-ce que j'ai mis l'instincteur ou bien est-ce que je téléphone aux pompiers Il faut créer une stratégie. Et là, vous imaginez bien que vous allez utiliser dans votre mémoire autobiographique l'émotion qu'il faut contrôler, votre compréhension en l'occurrence d'un signal qui est sémantique non verbal, puisqu'on n'a jamais parlé dans cette histoire. Et vous allez déboucher sur un comportement adapté ou pas, transitoirement. Et ce méta-réseau, bah vous allez l'encoder ad vitam aeternam si votre maison a brûlé. Et d'un autre côté, si c'était un dysfonctionnement de l'alarme, trois minutes plus tard, vous êtes devant la télévision, vous avez oublié ce méta-réseau et vous êtes en train de remanger du popcorn à utiliser 0,5% de votre système nerveux central. Voilà finalement. Comment il faut voir cette succession d'états d'équilibre perpétuel qu'il faut remettre en question, à mon sens, ça ça a été le côté subjectif que j'ai introduit dès le début, parce que c'est ce que je vois au bloc opératoire, où un patient peut très bien, quand je stimule, bouger parler, mais il n'est plus capable de faire les deux en même temps. Et tout ceci a évidemment des implications cliniques telles que la rééducation, où on enlève la zone de Broca, ben il faut rééduquer le langage. Oui, mais dans le réseau du langage, finalement, il y a une telle perturbation parce qu'il y avait peut-être chez ce patient un épicentre important dans ce qu'on a enlevé, mais comme on veut qu'il récupère on va renforcer les interactions, non pas entre la phonologie, la syntaxe ou la sémantique, mais entre les fonctions exécutives, donc la capacité de faire plusieurs choses en même temps, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, vous savez, vous êtes en train de faire quelque chose, le téléphone sonne, qu'est-ce que je faisais déjà, les aspects attentionnels dont on a parlé. Et là, ça peut être une bonne idée de renforcer l'interaction entre des réseaux qui, à la base, n'étaient pas dédiés au langage, mais qui vont vous permettre de compenser un déficit qui persistera peut-être avec les scores cognitifs, mais sans aucune conséquence écologique du fait d'une modification de la stratégie interactive au sein même de votre cerveau. La dernière diapositive, c'est si on veut réélever, je pense que vous allez le faire si j'ai bien compris dans deux jours, euh, les, euh, le Brain Computer Interface où je peux quand même vous dire pourquoi, pour être allé à Boston il y a quelques années, ils ont perdu beaucoup de temps, pas les ingénieurs, ils ont soulevé des milliards de façon à résoudre le problème inverse. Mettez une puce et on dit, je simplifie, mais bon, c'est le but aujourd'hui, il y a un enregistrement électrophysiologique au bout de cette fibre qui vient d'une puce qui est posée dans une région bien spécifique du cerveau, et je vous le donne en mille, en général, la région centrale. C'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Et donc, vous imaginez, hein, peut-être parmi vous qui sont ingénieurs, comment je vais faire pour savoir s'il y avait plus ou moins de poivre, de sel pondéré par rapport à une résultante finale, mais qui ne reflète pas du tout tout ce qui s'est passé en amont dans le système nerveux central. Ben ça, c'est à cause du localisationnisme. Alors que si on commence à mettre des électrodes un petit peu partout dans un réseau qui fonctionne encore, mais avec des déconnexions, je vais faire simple entre Broca et Verniquet, voyez, je ne suis pas voyou, donc les deux zones qui existaient déjà dans le modèle d'il y a 150 ans. Mais on dit que chez ce patient, la fibre entre les deux a été lésée par un accident vasculaire cérébral par exemple, et on pose une électrode sur le cortex de derrière, le cortex de devant, parce que eux sont toujours fonctionnels. Et là on n'a plus qu'à entre guillemets, resynchroniser et là ça devient jouable. Donc il faut une bonne fois pour toutes, bannir ce que l'on pense savoir pour mieux reconstruire pas demain, mais déjà au fur et à mesure où vous êtes en train de le dire. Et avec cette interaction de votre propre cerveau avec lui-même, et j'espère avec autrui, on a une chance de continuer à progresser et j'espère de mieux prendre en charge les patients comment. L'a fait ces 25 dernières années, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne sont pas encore guéris. Le risque n'est pas à zéro. Il continue à avoir quelques implications négatives, notamment sur le plan comportemental. Maintenant, la question est finale, puisque vous aurez droit à un sujet éthique, si j'ai bien compris aussi, c'est est-ce qu'il faut tout comprendre pour tout manipuler Et ce qui me fait parfois peur, c'est que toutes les publications que vous avez vues et bien d'autres pourraient être utilisées. Ça a commencé à des fins beaucoup moins louable que d'enlever une tumeur au cerveau ou restaurer la fonction chez un patient après un accident vasculaire cérébral. Donc c'est à nous d'être raisonnables. Est-ce qu'on l'est vraiment en société Point d'interrogation. Je vous laisse vous poser la question et sûrement ne pas la résoudre dès ce soir. Merci encore. Un grand merci pour cette magnifique conférence. Personnellement, j'étais tellement je vivais vos paroles. Je n'ai pas trop regardé les diapositives, mais, mais donc la, la parole est, est au public maintenant. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. On va faire passer le micro. <laughs> Je suis enchanté d'être venu à votre conférence. Je suis physicien, j'ai l'impression d'entendre un collègue physicien parler. Euh, vous êtes donc euh, extrêmement clair. Maintenant, il y a un domaine que je ne maîtrise pas du tout, euh, qui est celui de l'intelligence artificielle. Alors, je, je lis des articles, et euh, tel que vous présentez le travail, de, de la liaison entre votre étude, à la fois expérimentale et théorique, très classique du point de vue de l'approche euh, scientifique de base, tout à fait remarquable. Comment vous passez de là Comment est-ce que vous pouvez passer à l'intelligence artificielle Qu'est-ce que vous en pensez Quel peut être l'apport à votre travail de l'intelligence artificielle Merci. Je n'y pense pas. Ça m'intéresse pas. Je veux dire que oui pour l'ordinateur lui-même, mon père était informaticien et j'ai probablement été un des premiers neurochirurgiens à quasiment tout, tout numériser il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est pour ça que j'ai des banques de données qui sont énormes quand on nous parle vingt ans plus tard euh, du big data, etc. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas ce qu'on veut en faire à l'heure actuelle. C'est qu'on veut pousser le pseudo ordinateur à prendre des décisions pour nous et ça a commencé en médecine. Ça a commencé sur la base justement de protocoles, de recommandations basées sur des statistiques, sur ce que l'on pense savoir à l'heure actuelle, alors que je sais très bien que ce que l'on sait est faux, puisque dans notre domaine on l'a déjà démontré. Donc il faudrait mieux reprogrammer l'ordinateur afin qu'il puisse vraiment lui apprendre sur des datas qui sont réelles et pas sur ce qu'on pense avoir enseigné depuis des années et on peut pas revenir en arrière, sinon c'est reconnaître que c'était un véritable échec vis-à-vis -vis de sa propre vie. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux bien différents, sans rentrer dans les aspects marketing et autres. À mon avis, nous ne sommes pas prêts. Et pas plus loin que ce week-end, je lisais un article sur... Ça commence... Ah, finalement, l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à égaler ce que fait le cerveau humain. Donc on a une nouvelle idée. On va faire de l'intelligence connecter aux neurones avec un peu d'artificiel, un peu de neuronal, organoïde, comme ils ont dit, de façon à créer encore autre chose qui nous déresponsabilise. C'est pour ça que j'ai commencé en disant si on veut être responsable, il faut d'abord contrôler, dans la mesure du possible, son propre système nerveux central. L'intelligence artificielle, c'est la déprogrammation de finalement ce qui fait notre créativité terme que je n'avais jamais utilisé pendant cette présentation mais ça me donne l'occasion de le mettre en point d'orgue oui bonjour j'avais deux questions en fait une première question c'est concernant votre pratique d'opératoire. parce que vous, si j'ai bien compris vous avez dit que vous ouvrez enfin, et puis vous regardez ce qui se passe et vous faisiez des, vous faisiez des simulations donc ça veut dire que vous faites l'observation, euh, le diagnostic et ensuite... Et ensuite l'opération. Comment, euh, comment ça se passe quoi Vous avez une équipe autour de vous pour, pour prendre toutes ces, ces décisions et combien ça va durer Et ma deuxième question, c'est euh, vous avez parlé donc de plasticité du cerveau. Euh, Est-ce que on peut parler de régénération si c'est si plastique que ça la régénération, oui, en partie, on sait qu'il y a de nouveaux neurones qui peuvent être créés, mais quelle est vraiment leur implication fonctionnelle, leur utilité, en particulier en cas de lésion, honnêtement, on n'en sait rien. Il y a des neurochirurgiens qui ont essayé de greffer, par exemple, des cellules souches dans le cerveau suite à des AVC ou dans des pathologies dégénératives, en disant, bon, le cerveau va se reconnecter, ça ne marche pas. Donc il est évident que derrière, dans ce qui nous apparaît comme étant chaotique, il y a bien une règle qu'on n'a pas. Encore réussi complètement à comprendre. Maintenant, pour répondre à votre première question, en fait, ça, c'est un peu mon cerveau qu'on essaie de modéliser. Ça veut dire que, évidemment, que je sais quand je vais aller au bloc opératoire, à 95%, ce que je vais pouvoir enlever, où je vais m'arrêter, pourquoi je vais pouvoir m'arrêter, parce que je sais quelles sont les limites du système nerveux central. Pas tant comment il fonctionne, mais jusqu'où je n'ai pas le droit d'aller, sinon, ensuite, le patient en paiera le prix. Et ça, évidemment, au début, c'était pas très clair, et c'est pour ça qu'on enlevait moins de tumeurs qu'on s'arrêtait un peu plus tôt. Puis on a commencé à voir que cette plasticité nous portait un peu plus loin. Et puis, évidemment, à un moment donné, il y a eu quand même quelques problèmes aussi parce que on voulait trop bien faire sur un plan neuro-oncologique. Et on a fini par commencer à faire, on va dire, à introduire des nuances, mais plus basées, in fine, sur la connaissance des neurosciences observationnelles, exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne fais qu'observer ce qui se passe dans l'univers, et pour moi, ce n'est pas l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit, et donc on arrive vraiment à prédire. Ce qui veut donc dire que l'éveil et les stimulations de nos jours, c'est plus la validation de ce qu'on a prédit avant l'intervention chirurgicale, ce qui veut donc dire que pour répondre complètement à votre question intégrée dans celle qui a précédé, si les Américains m'invitent autant, c'est parce que j'opère deux fois plus vite que quand vous utilisez la technologie dont on nous rebat les oreilles à l'heure actuelle autour de vous. Parce que les décisions sont déjà prises et on n'a plus qu'à ajuster en temps réel. Je n'opère donc avec aucune technologie, sûrement pas une intelligence artificielle autour de moi. Bonsoir. <laughs> euh... Je vous remercie pour votre intervention. Je suis linguiste et j'ai fait des missions en, de traduction euh, simultanée qui sont une épreuve très, très, comment dire, intensive sur, au niveau du cerveau. Et je suis absolument. Vous mettez des mots sur des expériences que j'ai faites au niveau mental suite à, à ces expériences qu'on n'expliquait pas à l'époque parce que d'abord, on est dans le monde invisible, hein, donc c'est très difficile de d'expliquer de, quand on n'a pas vécu, mais voilà, je me suis retrouvée dans une mission pendant un mois qui était très intensive et j'ai fait ce normalement j'ai dépassé toutes les règles de l'ONU, c'est-à-dire qu'on le fait que dans un sens, que dans la langue qu'on maîtrise sur une langue, et moi je l'ai fait dans les deux sens. Au bout d'un mois. Je, mon cerveau a complètement déconnecté, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à faire la différence entre la, les deux langues que je, que je traduisais. Donc, je me suis mise au repos. Bon, heureusement, c'était la fin de la mission, mais j'ai eu du mal à la terminer. Et j'ai eu très très peur après d'avoir perdu toutes mes connaissances. Mais je me suis mise au repos. Et un mois après, ce qui s'est passé, c'est que pu, mon cerveau a pu, euh, comment dire, passer à un autre niveau. Alors c'est ce que vous appelez la méta connexion, je suppose, et j'ai pu en fait compte, euh, faire de la traduction deux fois plus rapidement. Euh, j'ai pu aussi aller sur, à des niveaux de traduction que je ne pensais pas pouvoir faire. Enfin, c'est tout d'un coup le cerveau est passé à un autre niveau de, de connexion. Et vous êtes en train de mettre beaucoup de mots sur euh, finalement ces différentes étapes d'intégration de, de, de connaissances et de comment on n'utilise qu'une partie de son cerveau, sauf quand on le met à l'épreuve, hein, et que là, on se rend compte qu'on a une infinité qui est absolument euh, exceptionnelle. Mais voilà, c'est très épuisant, ça demande beaucoup de discipline, et c'est <laughs> euh, voilà, une intégration qui est quand même assez euh, complexe, hein, euh, surtout quand euh, on n'a pas la clarté de votre esprit euh, pour l'expliquer. Je vous remercie pour ce témoignage, puisque finalement, j'ai dit, à un moment donné, on peut aller quasiment au-delà, mais on risque de devenir fou. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de ce qu'on appelle les fonctions de contrôle exécutif, qui font que normalement, il faut quand même doser un tout petit peu, sauf dans certaines périodes peut-être de sa vie, où justement, on se permet d'avoir une expérience qui... À la limite, j'allais dire peut-être pas ou casse, mais ce que vous avez fait probablement, c'est encoder à un moment donné à ce niveau d'automatisation de haut vol dont je parlais, et qui fait que du coup, vous avez fait des raccourcis qui vous ont été utiles à partir du moment où vous avez quand même remis aussi le contrôle cognitif, parce que si on veut toujours en jeter un peu plus sur le feu, à un moment donné, ça brûle. Et donc, euh, ça a été très favorable puisque ça a bien démontré que vous pouviez continuer à apprendre à un niveau d'intégration, et je vous remercie d'avoir utilisé ce terme, qui est un terme qui nous tient beaucoup à cœur en neurosciences, finalement, et réunir tellement de choses. À un moment donné, on ne sait pas l'expliquer, mais on, on arrive à le canaliser dans une certaine mesure. Et c'est ce que vous avez fait de façon intuitive, ce dont je n'ai pas parlé non plus, mais les bases neurales de l'intuition, une sorte de cohérence soudaine, évidemment aussi basée sur l'expérience personnelle, donc la mémoire autobiographique, la motivation dont je parlais tout à l'heure. Et là, oui, il y a dû avoir un méta-réseau qui s'est créé mais qui au lieu de disparaître s'est encodé et vous a facilité ensuite la tâche. donc ça me fait penser à nietzsche, la définition du talent, c'est le travail. d'autres questions? oui, euh, une question. bon. Euh, lorsque vous réopérez, est-ce que le trou que vous avez fait la première fois en fait c'est être amusant ce que je vais vous demander. est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il est comblé par une espèce de régénération quantitative? et est-ce que les capacités qu'on a, elles sont proportionnelles à la quantité de cerveau finalement? la réponse est totalement l'inverse, comme vous l'avez vu à et travers les lobectomies massives et... que j'ai pu montrer. Et ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce qu'il y a cette régénérescence Alors, Et en fait, c'est plus une repondération dans les réseaux. C'est-à-dire qu'on va chercher des circuits de secours qui existent, oui. qui n'étaient pas oui. forcément dédiés, mais qu'on va amener vers, il faut oui. recruter un peu plus dans ce déficit cognitif à ce moment-là, ce qu'on appelle la vicariance. Mais l'un n'empêche pas l'autre, peut-être. Mais le trou est toujours là. Mais le trou et il est encore plus gros une fois a, que je suis repassé. C'est le but sinon c'est que j'ai réopéré pour rien. Ivan à... euh, en arrive fait euh, oh, de vous substance. savez comme a dit tout à l'heure euh, monsieur euh, physicien moi, je me contente de faire vraiment de l'observation de base, donc je ne sais pas ce que vont donner ces médicaments sur lesquels il y a eu tellement, à un moment donné, d'illusions projetées. Je n'ai jamais parlé d'illusions aujourd'hui parce que c'est un problème qui me gêne personnellement dans le fonctionnement ou le dysfonctionnement du cerveau de l'être humain. Que moi, je me contente de me baser sur ce que je vois et d'utiliser. L'énergie que me donne le cerveau le guide. C'est bien pour ça que oui, il y a un peu de temps réel, mais par rapport à ce à quoi on s'attendait pour répondre à la question précédente, et le cerveau est vraiment en train de dire là pas de problème, allez-y, je suis infiltré, c'est pour ça que je fais des crises à nouveau. La cavité, déjà là on s'en moque, on l'a oublié, je l'ai compensé, je me suis réorganisé. Mais là il y a un peu trop de tumeur. Si on pouvait en enlever un peu plus, ce serait bien. Ah, attention, là on est dans les limites. Donc si on va plus loin, il n'y aura plus de système. Donc que de euh, circuits de secours dont je parlais tout à l'heure, et d'un seul coup, ça va s'effondrer, et là, par contre, ça ne reviendra pas. Donc, finalement, ce que je fais, c'est très empirique et basé sur... Oui, c'est bah, comme ça, je crois qu'un jour, quelqu'un a dit que la Terre était ronde, et puis qu'elle euh, n'était pas plate, parce qu'il a fait deux, trois calculs qui semblaient pleins de bon sens. Et donc, ma question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accepter l'évidence Ça, c'est un vrai problème pour moi chez l'être humain. Et une autre petite question, est-ce qu'il y a des patients qui ont du mal à accepter l'idée qu'on va leur poser des questions pendant qu'on leur bricole le cerveau Est-ce que tout le monde est capable émotionnellement d'accepter cette idée-là J'ai opéré plus de 1000 patients de 5 continents différents, donc ça veut dire qu'ils viennent de partout avec des cultures différentes, de l'âge de 13 ans à 92 ans. Le taux de chirurgie qu'on a interrompu parce que c'était horrible a été de zéro. Donc je suis confronté à l'être humain tel qu'il devrait être, c'est-à-dire en train de se battre pour une cause. Et d'un seul coup, tout le monde en est capable. Donc ma question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir une tumeur au cerveau pour être vraiment soi-même Merci. Alors déjà, je vous remercie pour votre conférence passionnante. Enfin, je vous avais déjà découvert sur YouTube pour une autre conférence. Euh, moi, j'avais une question par rapport. Euh, alors, c'est un petit peu pas hors sujet, mais euh, dans le cas où un gliome, il euh, y a une transformation maligne, et, soit parce que, si j'ai bien compris votre conférence, il n'y a pas eu peut-être une chirurgie euh, suffisante, et que euh, dans le cadre où il y aurait un glioblastome, euh, est-ce que du coup, parce que moi j'ai perdu une belle-soeur du glioblastome il y a 6 ans, et je voulais savoir si la chirurgie ou. ou S'était amélioré ou avait avancé depuis quelques années euh, Voilà, c'était un petit peu savoir où on en était par rapport au glioblastome, parce que je suppose que vous en opérez aussi. La réponse, on n'a fait aucun progrès, dans le sens où on est limité par le cerveau. Or, si une tumeur va beaucoup plus vite, je parle de glioblastome primaire, donc de tumeurs qui n'ont rien à voir, qui, eux, vont apparaître et évoluer très rapidement. Le cerveau a beaucoup moins de temps pour s'adapter. Il n'a pas le temps pour aller dans les circuits de secours. Ce qui veut donc dire que le chirurgien va devoir s'arrêter un petit peu plus tôt, sinon évidemment on fait des bêtises. Et dans l'hégliome de Bagrad, on laisse un peu ce temps. Et tout l'intérêt, évidemment, c'est d'arriver avant la transformation maligne, sauf que c'est valable pour les glioblastomes dits secondaires qui finiront à force parce qu'on en a laissé, parce qu'on ne pouvait plus aller plus loin, parce qu'on a opéré quatre fois, parce qu'il y a eu de la chimio, de la radiothérapie, etc. Parce qu'on est à 20 ans et parce que je commence à voir des patients où on n'a plus de solution, malgré tout ce qui a été fait en plus en plus, parce qu'on est aux limites de la plasticité. Et c'est ça qui nous conditionne le plus. C'est qu'à un moment donné, on veut quand même pas avoir de séquelles, ou alors on laisse parce que la tumeur va tellement vite que la chirurgie ne sera pas la solution à proprement parler. Donc le paradoxe, c'est qu'en termes de technique chirurgicale, on n'a fait aucun progrès. Et finalement, tout ce que j'ai fait qui peut intéresser les collègues, c'est juste d'arriver plus tôt et d'être plus fiable parce que je m'intéresse au cerveau plus qu'à la tumeur. Et en faisant ça, évidemment, j'enlève plus de tumeurs avant qu'elles ne deviennent agressives. Mais en oncologie, il y a encore beaucoup de progrès à faire. D'accord. Et je voulais aussi vous demander, euh, vous disiez pour les gliomes de, de bas grade, euh, en général, ils sont tous quand même situés de telle sorte qu'ils sont opérables ou il non, peut non, il y en avoir Non, pas un... du tout. Non, d'accord. Mais là, sur les 900, je crois qu'il y en a allez, à peu près 60% qui ont été considérés comme étant inopérables ailleurs. C'est pour ça que les patients viennent de partout. D'accord. Alors que les chirurgiens des cinq continents peuvent être meilleurs que moi techniquement parlant si on parle de virtuosité mais ils sont bloqués c'est pour ça que j'ai vu cette introduction dans leur cerveau parce que j'en connais certains à travers les congrès ou autres par ce poids, ce dogme, cette histoire et, du coup, avec un grand H, ils ne peuvent pas se résoudre à aller opérer a priori dans cette région alors que l'observation leur dit Mais la tumeur est déjà là, le patient va bien, y compris objectivement avec des scores cognitifs qui montrent qu'il n'y a pas de conséquence. Encore, c'est le moment idéal pour opérer. Qui a dit que c'est inenlevable Et ce n'est pas un problème technique, c'est un problème philosophique. Donc vous, vous, vous pouvez tous les opérer concrètement les. Pas tous, s'ils diffusent trop dans les fameuses voies, les oui, autoroutes voilà. de la limite de la neuroplasticité. Mmh. Là, par contre, je mmh. serai le premier à dire. Non, je suis désolé, ça ne sert vraiment à rien parce qu'on va en laisser les mmh. trois quarts. Autant aller vers une chimiothérapie alternative mmh. plutôt que de faire une chirurgie ou inutile ou délabrante. D'accord. Mais si c'est pris tôt, c'est possible. Voilà. Plus c'est tôt, plus ouais. on a de chance. Merci. Bonsoir. Euh, je vais changer de niveau logique pour la question. Là, on s'intéresse à une tumeur, à enlever une tumeur. Est-ce que vous avez constaté parmi les milliers de patients que vous avez eu parfois des similitudes dans les histoires de vie avant l'arrivée de la maladie. Et est-ce que, comme c'est quelque chose qui semble revenir et qu'il faut réopérer, est-ce qu'il y a aussi un travail qui existe aujourd'hui sur une compréhension plus subtile de l'environnement de la personne, de sa façon de voir le monde, peut-être ce qu'elle a vécu qui pourrait expliquer l'arrivée de cette tumeur Ou est-ce qu'on reste uniquement sur un côté il y a une tumeur, on l'enlève on a passé 20 ans à essayer de comprendre d'où venait cette humeur, y compris avec la plus grosse banque épidémiologique dans notre département d'Europe. On a tout regardé, la réponse, on n'a rien trouvé. Il vaut mieux pas qu'une centrale nucléaire explose et c'est tout. Ce qui veut donc dire que c'est tellement complexe que statistiquement, c'était improbable. C'est pour ça que c'est une maladie rare et c'est pour ça qu'on draine aussi proportionnellement autant de patients, parce que finalement, on a dit qu'on en faisait notre cheval de bataille. Donc, bien sûr qu'il y a des causes génétiques, bien sûr qu'il y a des causes environnementales, bien sûr qu'il y a des causes intrinsèques, mais l'équation à pondérer est tellement complexe que je n'arriverai pas à avoir l'ébauche d'un début d'explication à l'échelon de ma carrière. Par contre, sur la perception du patient, alors qu'il ne changera pas son évolution tumorale en faisant du sport, oui, non, en mangeant différemment, oui, non. Évidemment, ces questions me sont posées systématiquement, je ne peux que le comprendre, mais la réponse est non, il n'y a pas d'interaction. Par contre, les patients qui ont été confrontés à leur propre vie, mais qui ont eu le choix de participer activement à redresser la barre, ça peut paraître bizarre, mais j'entends très souvent dans mon bureau, parce que je continue à les surveiller presque comme un médecin de famille, donc certains avec 25 ans de recul maintenant, une des plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie est d'avoir été opéré d'une tumeur au cerveau, parce que depuis, je sais ce que je veux et j'agis en conséquence. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la rééducation post-opératoire et quelles Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça a comme conséquence Adapté, personnaliser, précoce, intensive, interactive. À savoir, on a dit à un moment donné, oh, il faut attendre avant de rééduquer. Non, non, le, le cerveau, plus tôt on va le rebooster, mieux ça va être. Je ne parle pas forcément de la première semaine qui suit l'intervention quand il y a un gonflement, comme il peut y en avoir Alors, au niveau de la peau, un oedème, d'accord, mais au bout d'une semaine, c'est réglé. Certes, dans un contexte où on a tout fait quand même pour préserver la connectivité. Donc on sait que le patient, jusqu'à preuve du contraire, doit récupérer personnalisé. Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qui est important chez vous On ne va pas forcément faire de l'ergothérapie chez un mathématicien qui n'a jamais joué de piano, qui ne plante jamais un clou chez lui, il ne va pas être paralysé, mais il n'a pas besoin de mouvements très fins. À l'inverse, je parlais tout à l'heure de la violoniste, etc., etc. Donc, la rééducation va être presque forcée en fonction également de l'éducation. C'est bien ça, finalement, le terme « rééduquer » de l'éducation de haut vol qu'on a pu avoir au tout début. Pour certains, ça peut être beaucoup plus de rééducation cognitive de haut vol et de multitâche, un peu à l'instar de ce qui a été dit par Madame tout à l'heure, et qu'ils s'infligent eux-mêmes, à travers les rééducateurs, de faire 18 choses à la fois, 20 heures sur 24, parce qu'ils veulent optimiser les scores. Et d'autres vont tellement mieux qu'on pourrait croire que c'est parfait, alors qu'en fait... Il leur manque toujours un petit quelque chose. Donc, il y a aussi sa propre analyse, et c'est bien pour ça qu'il faut pondérer avec la motivation, mais aussi la personnalité. Et ensuite, la connaissance, bien sûr, de l'interaction entre les réseaux, puisque le maître mot pour la rééducation, vous avez entendu à la salle pétrière, quand j'y étais il y a 25 ans, ce qu'il faut, c'est partir du symptôme pour rééduquer le symptôme. Non, parce qu'un patient qui ne parle pas du tout, il peut être aphasique de broca. Ou il peut être mutique parce que, je vais être technique, on a enlevé l'hermoterie supplémentaire, une zone trigger d'initiation et on sait très bien que ça va compenser à travers l'autre côté, comme je l'ai montré tout à l'heure via l'imagerie fonctionnelle. Donc le même pseudo-symptôme, si la mécanistique est totalement différente, la rééducation doit être totalement différente. En d'autres termes, j'inflige chaque fois que je fais des cours aux rééducateurs... Exigez l'IRM et connaissez les bases neurales, sinon vous ne pourrez jamais rééduquer si vous prenez la page 18 du livre de rééducation qui dit aphasie de Broca. Donc les neurosciences devraient être partout en fait. On devrait en faire comme, on, comme M. Jourdain faisait de la prose. Pour moi, les neurosciences devraient être un mode de vie, presque inconscient. Et de temps en temps, quand même, l'amener à la conscience, si on en a besoin, en fonction voilà, de chaque hyperspécialisation, on va dire. Mais même au-delà de la médecine, c'est valable pour les sportifs. Bonsoir. Euh, bah déjà, merci pour euh, votre conférence euh, qui est pour moi éclairante. Je ne connais, connais rien au cerveau en tout cas ce que j'en entends dans les médias. Alors j'ai deux questions. Euh, euh, on parle beaucoup de nanotechnologie depuis une vingtaine d'années. Est-ce que c'est envisagé pour euh, la collecte d'informations au niveau cérébral, euh, voire euh, euh, des soins, ou, euh, des, des réparations euh, de parties altérées du cerveau Nano, ça veut juste dire 10 moins 9. C'est comme on disait micro à un moment donné, ou comme on commence à dire pico. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va vers le plus petit, petit, petit. Donc, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que moi, ma grande limitation, c'est de rester à l'échelon macroscopique, comme vous l'avez vu. Ce que je vois au bloc, ce que je vois sur l'IRM avant-après, qu'elle soit multimodale, fonctionnelle, euh, métabolique, euh, structurelle... Donc évidemment, comme j'ai montré la diapositive, il faudrait intégrer et arriver par des chemins différents, y compris, pourquoi pas, bien sûr, les biostatistiques, à condition que ce soit nous qui les contrôlions toujours pareil, ça reste un outil. Bien sûr que ça peut être une approche différente qui permet de regarder par le petit bout, non plus du microscope, mais du nanoscope. Mais comme la vie est courte, je crains ne pas avoir l'occasion de pouvoir répondre à votre question d'ici la fin de ma carrière. Parce qu'il est quand même très difficile de pousser la plasticité à un niveau supérieur dans tous les domaines. Merci quand même pour la réponse. Alors ma deuxième question... Mais j'en souffre. Je vous rassure. Je voudrais plus. Alors ma deuxième question, elle concerne, euh, euh, on va dire, les boxeurs ou euh, les professionnels des arts martiaux qui sont amenés ponctuellement à, à se prendre des coups sur la tête. Euh, est-ce que euh, euh, la perturbation au niveau des connexions neuronales, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, inéluctable dans ce contexte Et euh, si perturbation il y a, euh, est-ce que ces connexions, elles se rééquilibrent, comme vous parliez de, de rééquilibrage des déconnexions euh, en fonction des activités ou autres Là, ma réponse ne va pas vous surprendre. Ça dépend. Ça dépend de combien de fois, la gravité, à chaque fois, l'âge, d'autres facteurs éventuels, vasculaires notamment, qui font que le cerveau souffre un peu parce qu'on vieillit plus vite, parce qu'on a un diabète, parce qu'on a de l'hypertension artérielle, etc., etc. Mais sur le fond, c'est effectivement des lésions axonales diffuses. On ébranle le cerveau et ce n'est pas très bon parce que contrairement à ces lésions focales là, où le cerveau peut plus facilement compenser si on lui laisse un peu de temps, s'il y a des lésions un peu partout, vous imaginez que ça va perturber tout le réseau. Donc, si c'est des traumatismes qui ne sont pas très importants et pas très répétés, on a toutes les chances de compenser s'il n'y a pas de facteurs supplémentaires. Si on commence à avoir d'autres facteurs et que les traumatismes sont trop violents ou trop répétés, alors il peut y avoir une dégénérescence dans le sens où ces réserves de neuroplasticité, elles servent quand même à quelque chose au-delà de traumatismes crâniens, d'accidents vasculaires cérébraux ou de tumeurs cérébrales, juste à compenser le vieillissement. Merci. Est -ce sur internet, non oui. Super, magnifique, et époustouflant, bref. Euh, petite question, tu as dit que tu intervenais à différents âges. Est-ce que le niveau de récupération, justement, varie avec l'âge Ou est-ce qu'on peut encore bouger ces lignes-là aussi Là, il faut être honnête, je biaise, puisque je sélectionne à 80-80 ans les patients qui vont bien avant. Donc, ça veut dire que s'ils étaient déjà à la limite de la plasticité et qu'il y a eu une décompensation, et pas forcément parce que c'est une tumeur très rapidement évolutive, façon glioblastome primitif, mais si c'est un bagrade qui commence à diffuser un petit peu trop, il y aura déjà un déclin cognitif qui va me permettre de dire, peut-être à tort, mais je ne vais pas opérer parce que je pense qu'il ne va pas bien récupérer. Donc, c'est déjà un biais parce que, quand même, plus on est jeune, plus on a tendance à compenser statistiquement en termes d'indications opératoires. Maintenant, si je dis que le patient n'était quand même pas si mal malgré 80 ans, que la tumeur n'est pas si agressive et que ça vaut la peine d'en enlever pas mal, il va mettre plus de temps pour récupérer malgré tout. Donc, il faut croire que mobiliser ces fameux. L'interaction entre réseaux qui eux-mêmes doivent commencer déjà quand même à se bilatéraliser beaucoup plus. Je veux dire pour tout un chacun dans la salle, tout le monde commence à comprendre quand même qu'en vieillissant, on a besoin justement de recruter plus donc les deux hémisphères et que pour une tâche équivalente, avec le même score, on va avoir tendance à utiliser les deux côtés, et peut-être avec des temps de réaction un petit peu augmentés en physiologie. Donc vous imaginez avec une tumeur cérébrale. Donc c'est pour ça que la rééducation sera d'autant plus adaptée, intensive, peut-être prolongée aussi, mais en revoyant peut-être à la baisse euh, les aspirations de la personne un peu plus âgée qui, par exemple, se moque totalement de ce que j'ai utilisé très souvent pour des patients entre 20 et 50 ans, le retour au travail. Parce que par définition... Ils sont à la retraite. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être actifs, mais ça veut dire que s'ils n'ont pas un emploi amnésique avec une mémoire de travail au top pour pouvoir faire une, prendre une décision hein, autour d'une table en 5 secondes face à 10 personnes, ça ne les gêne pas beaucoup. S'ils ne sont pas aphasiques et miplégiques, qu'ils ont un minimum de cognition et d'émotions préservées, parce que s'ils me demandent ça, c'est pour voir leur arrière-petit-enfant naître. Et donc, là aussi, la valence émotionnelle et on va dire très importante dans cet équilibre. Néanmoins, j'ai en tête, en parlant et pour montrer justement l'extrême inverse, un patient de près de 90 ans qui s'est rééduqué en réapprenant les de SATI, d'Eric Sati. Donc, ça peut être ce niveau-là aussi. Donc... Voilà, mais c'est bien cette motivation aussi. Et lui, m'envoyait envoyé des emails en disant Non, pas je fais ma rééducation, oui, un peu, mais hum, ah, j'en suis à la quatrième, celle-ci est un petit peu plus difficile. Oui, j'en sais quelque chose. Bonjour, donc euh, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, deux petites questions, une un petit peu plus euh, générale euh, et une euh, qui reviendrait peut-être à votre sujet de prédilection est-ce est que vous pensez que le cerveau, par exemple, d'un ver de terre ou d'une fourmi, est différent de, de par son degré de complexité ou de par sa nature Est-ce qu'il y a une, une différence continue ou discontinue avec le cerveau humain Et est-ce qu'on pourrait un jour imaginer le comprendre totalement, les cerveaux d'organismes hyper, hyper limités Et la deuxième question, c'est j'avais lu chez. Antonio Damasio, euh, l'erreur de Descartes, une expérience apparemment classique, qui semble un peu contredire votre vision. C'était pour savoir ce que vous en pensez de quelqu'un qui s'était pris une barre de, à, une barre à mm -hmm. la ouais, mm HM. Une expérience connue, enfin un cas mm -hmm. connu. Et disait-il, il était encore capable d'une intelligence logico-mathématique normale, mais il perdait son, sa femme, son travail, etc., parce qu'il n'était plus capable de gérer ses émotions. Et donc, l'idée de, voilà, de deux fonctionnements un petit peu parallèles, euh, régis probablement par des zones du cerveau différentes, du coup. Donc, est-ce que ça vous semble cohérent, possible ou pas trop c'est possible, mais la question a été mal formulée chronologiquement, puisque c'est moi qui ai remis en question son cas. Et on en a discuté lorsqu'on a été simultanément docteur Honoris Causa à Louvain. Et je lui ai dit, justement, un, qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de l'histoire parce que ce patient a récupéré. Donc il a regardé dans les suites immédiates, et là, effectivement, il n'y avait plus du tout de contrôle émotionnel. Donc il a perdu son boulot, etc., etc. Mais ensuite, il est revenu à un contrôle qui lui a permis de se réinvestir dans une vie qui était différente, en sachant malgré tout qu'il n'a pas été rééduqué non plus. Ce qui veut donc dire que... Si on tient compte en plus d'un autre paramètre dont on a parlé tout à l'heure, la barre de fer qui lui a traversé, j'imagine, en 500 millisecondes, alors que le gliome a évolué en plusieurs années et que j'ai réopéré à 10 ans d'intervalle, un côté puis l'autre, qu'on a rééduqué entre temps, que le patient a eu des problèmes en post-opératoire, mais grâce justement à la famille, au travail, a réussi à avoir des repères qui lui ont permis de reconstruire, finalement, oui, je comprends ce qui s'est passé chez HM, mais il l'a simplifié. Sinon, pour la première question, j'avoue que j'ai un peu de mal quand même à faire l'amalgame entre le fameux méta-réseau qui passe par notamment le faisceau fronto-occipital inférieur bilatéral, sans vouloir le résumer à ça, parce que si je me réfugie derrière certains neuroscientifiques qui ont bien me résumé ma ben, pensée quand on a parfois eu quelques soirées bien arrosées, la récursivité du langage. Donc, l'être humain est toujours capable d'écrire en concerto et de rajouter plus un. C'est l'infinitude. Tout à l'heure, on a entendu parler d'infinité. Moi, j'aime bien le dire comme ça. Alors que tous les êtres, certes, mammifères, cerveaux, etc., à un moment donné, ont une limitation dans cette créativité où ils ne peuvent plus partir en vrille, parce que parfois, on peut regretter d'avoir écrit le dernier mouvement de telle symphonie mais en disant, ou tel chapitre de livre, ou tel article en plus, en plus, en plus, mais c'est ça qui fait notre originalité. Le propre de l'homme, ce n'est pas le langage, ce n'est pas la communication, c'est pas... qu'en fait, on a cette absence de limite. Donc est-ce qu'il faut pour autant tout comprendre J'ai déjà répondu tout à l'heure, il y a des choses, j'ai fait aucun effort pour essayer de mieux modéliser, on va dire, ce qui fait l'essence même de l'être humain. Et ça, ça me fait fondamentalement peur parce que je sais que si on comprenait mieux, et on pourrait, on pourrait moduler à travers des stimulations électriques. Il suffit de mettre quelques électrodes, notamment dans les noyaux gris centraux dont vous avez entendu parler hier, un peu en surface, manipuler les réseaux et finalement, on pouvez assez facilement changer une personnalité en sachant qu'on ne la change pas vraiment, on ne fait que la démasquer. Si je vais un tout petit peu plus loin, on s'est aperçu que nos patients, en fait, en les... Mettez puissance 10. Si vous êtes tendance anxio-dépressive depuis 20 ans, ça n'a rien à voir avec la tumeur. Je vous opère dans les suites post-opératoires immédiates. Vous avez un risque majeur de vous retrouver apathique sur votre chaise et vouloir rien faire parce que vous êtes à la limite de vos traits de personnalité borderline qu'on a tous, selon les psychiatres. Si par contre vous êtes déjà un peu soupolé, hein, je dis vraiment aux conjoints, aux conjointes, euh, acheter un casque pendant trois mois, ça va être l'irritabilité. Euh, mais c'est vrai, et on me le dit a posteriori, vous m'aviez dit puissance 10, je crois que vous n'êtes pas imaginé l'enfer que j'ai vécu alors que ben, mon époux est là, hein, qu'il est vivant, qu'il va bien, que c'est bien lui, et trop, et on le regrette. Fin de citation. de questions. En tout cas, je, je, je trouve que c'est optimiste tout ça, parce que finalement, ça, ça, ça laisse penser que d'abord, même en dehors de toute pathologie, si on a bien retenu la leçon, et euh, j'en étais déjà un peu convaincu, mais j'avoue que ça, ça me renforce dans cette idée, on est quand même un petit peu maître de notre cerveau, c'est-à-dire, comme vous dites, on le fait travailler. On, on ne s'endort pas sur notre savoir-faire mais on continue à explorer toujours plus divers stimuli diverses. Voilà, de' sortir du cadre. ça permet de créer de nouvelles collections de connexions, de les consolider, de... on Et peut mais c'est pas spontané. Il Et faut voilà, faire l'effort. C'est le travail non, mais c'est ça Et non, mais, mais donc ça, ça, je trouve que c'est optimiste parce que euh, ça, ça nous donne la main sur quelque chose justement. On peut le faire, ça dépend de nous, ça dépend pas seulement de la génétique. De... On a quelque part une responsabilité dans ce qu'on fait de notre cerveau. Tout à fait. Et, Et en cas lésionnel, c'est aussi, ça donne de l'espoir. Donc, mais je euh... le vois très positivement, mais juste dans le sens pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de temps en voulant limiter la vision qu'on se faisait du système nerveux central alors qu'il tend vers l'infinitude même si à un moment donné, si on l'endommage trop, évidemment, il y aura quand même il faudra jeter l'éponge et euh, c'est toute cette nuance qui euh, finalement fait la beauté de, euh, du côté éphémère de l'être humain, à mon avis Je crois qu'on peut terminer sur ces paroles quasi philosophiques Merci encore.